Bien, bonsoir. Donc, nous allons commencer aujourd'hui à étudier la paracha de Korach. Korach, qui est une grande paracha où il y a beaucoup d'enseignements, bien sûr, et on va voir un exemple ce soir. Beparachatenu, mesaperet à Torah. Dans notre paracha, la Torah nous raconte Shelifne she'enish HaKadosh Baruch Hu et Korach, Datan, va'aviram. On voit dans notre paracha que avant que Dieu punisse Korach avec ses partisans, c'est-à-dire notamment Datan et Aviram, et on sait comment il est puni, dans quelles conditions la terre a ouvert sa bouche et elle les a avalés, eux et leur maison. Hutsival et Moshe, on voit que ça n'est pas arrivé du premier coup, bien sûr. Il a d'abord, Dieu, ordonné à Moshe, Daber el ha'eda lemor, parle à la communauté en disant, Elou, stalku, misaviv le mishkan korach datan ve'aviram. Écartez-vous, partez de tout autour de la tente de Korach, de Datan et de Aviram. Et le récit continue, Vayakom Moshe, vayelech el Datan ve'aviram. Moshe s'est levé. Et il a été chez Datan et Aviram, Vaïdaber el il a parlé à la communauté les morts en disant, Suruna mea lo ale à Anashim, écartez-vous des tentes de ces gens, Vaïalou mea mishkan korach, Datan va Aviram, misaviv, et tout le monde s'est écarté des tentes de Korach, Datan et Aviram tout autour. Donc le récit a l'air simple comme ça, mais on remarque tout de suite qu'il y a quelque chose d'un peu étonnant. Rashi met sa tête et Tamilim veya comme Moshe. On voit qu'au milieu, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, Dieu ne les punit pas tout de suite. Il dit, il parle d'abord à Moshe, il dit que tout le monde s'écarte. Alors, on comprend pourquoi, hein, très simplement. C'est que la punition, on la connaît. Les tentes de Datan, d'Aviram, de Korach, bien sûr, vont être à voler, engloutis par la terre. Donc écartez-vous, que personne ne soit englouti avec eux, c'est comme ça qu'on le comprend. Pourtant, il y a quelque chose qui nous frappe. Au milieu, on nous dit, Moshe s'est levé, il a été voir Datan et Aviram, veya comme Moshe. Rashi, justement, cite ces mots, veya comme Moshe. Umefaresh, il explique, Kastavur shiyusu lopanim, parce qu'il pensait qu'il l'accueillerait bien. Avec au moins politesse, vélo à sous, ils ne l'ont pas fait. Alors, Masbirim Amefarchim, les commentateurs s'arrêtent sur ce point. Qu'est-ce que veut nous dire Rashi? C'est que Rashi ne donne pas des commentaires uniquement comme cela. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre ici? Chez Kavanat Rashi, il est à dire que Rashi veut préciser quelque chose. Madoua l'Armochel d'Atan va. Parce qu'a priori, on a une question. Pourquoi est-ce que Moshe s'est rendu chez Datan et Aviram? On l'a souligné, c'est bizarre. Dieu lui dit, il faut dire à la communauté de s'écarter des tentes, tout va être englouti. Et qu'est-ce que fait Moshe? Il se lève, il va chez Datan et Aviram. Mais pourquoi faire? Varech Lekadosh. On voit que la mission que Dieu confie n'est pas de parler à Datan et Aviram. Et là, elle a Eda. Mais de parler à la communauté, il l'a dit clairement. Daber el ha'eda, les morts, parle à la communauté en disant qu'ils doivent s'écarter. Ve'alkach me ver Rashi. Et c'est là-dessus que Rashi vient nous expliquer. Sha'alicha el datan va'aviram lo haita kiu mashlichu daber el ha'eda. Il vient nous expliquer que le fait que Moshe aille chez Datan et Aviram, ce n'était pas pour accomplir la mission que Dieu lui avait confiée de parler à la communauté. Il n'avait pas besoin d'y aller de manière évidente. Il pouvait le faire là où il était. Et là, Bematara Acheret. Mais Rashi veut nous dire qu'il avait un autre but. Gdele Datan va Aviram, l'Arzor. Il voulait inspirer à Datan et Aviram de faire Tshuva. Kenema mi Midrash, comme le dit le Midrash. Afalpi chez Shama Moshe mi Piagvura. Bien que Moshe l'ait entendu directement de Dieu, il n'a pas dit de s'écarter des tentes parce qu'elles allaient être englouties, tant qu'il n'a pas d'abord été chez Datan et Aviram pour les prévenir. Chez Nehemar, comme il est écrit,
Et le Midrash cite notre verset, Vayakom Moshe, Moshe s'est levé, Vayelech el Datan v'Aviram, il a été chez Datan et Aviram. Alors, c'est ce que disent les commentateurs. C'est comme ça qu'ils expliquent ce que vient nous préciser Rashi ici. Ar kachelomar chez Zoï Kavanat Rashi. Mais, nous dit le Rabbi, c'est difficile de dire que là tient l'intention de Rashi. Pourquoi ? Mishum chez les Fiapchat. Pourquoi ? Parce que quand on voit le sens premier, le sens simple de ce verset, il n'y a pas véritablement de question pourquoi Moshe a été chez Datan et Aviram. Share bnei Israël, Shaou az misaviv le Mishkan, Korach, Datan va Aviram. Parce qu'en réalité, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de question ? Parce qu'à ce moment-là, les Juifs se trouvaient justement tout autour de la tente de Korah, Datan et Aviram. Kefish et Mourach, Meorat, Akadosh Bourou, Elou Mesaviv, comme on le voit de l'ordre même que Dieu donne. Dieu dit de leur transmettre, écartez-vous. Et que dès l'imsor, la Heda et Tsiwi Hashem, donc s'ils devaient s'écarter, c'est bien parce qu'ils étaient là-bas. Donc, pour leur transmettre l'ordre de Dieu, qu'il faut s'écarter de cette tente, Tsarich Hayamoshe, la Lechet El Mishkanan, Shel Korah, Veshel Datan et Aviram. Donc, très logiquement, pour transmettre cet ordre de Dieu, Moshe devait aller à la tente de Korah, de Datan et de Aviram, devant ces trois endroits, qui étaient à peu près au même endroit, et leur transmettre, et dire à tous ceux qui se trouvaient là-bas, écartez-vous. Vechen. Les filles d'Erech Hapshat, Yevshal, Ichora, les Kabel et Divra, Midrash, Elei. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? Que, n'oublions pas, Rashi ne vient pas nous donner des commentaires supplémentaires. Il vient nous indiquer le pshat, le sens premier. D'après le pshat, il n'est pas possible d'accepter ce que nous dit le Midrash. Afalpi, Shama Moshe Mipiak, Jura, Lo Amar Lahem, Elu, Atche, Alar, Veitrabahem, que bien que Moshe ait entendu l'ordre directement de Dieu, malgré tout, il ne leur a pas dit de s'écarter, il n'a pas dit aux Juifs de s'écarter des tentes, jusqu'au moment où lui-même s'est rendu sur place et a prévenu de ce qui allait se passer. Share Kevan, Shakadosh Boku, Tsiva, les Moshe, Daber El Aeda. Parce que c'est vraiment difficile de le dire. Encore une fois, c'est le Midrash. Mais du point de vue du sens premier, de l'interprétation première, c'est difficile. Puisque Akadosh Boku, puisque Dieu, Tsiva, les Moshe, Daber El Aeda. Il a déjà ordonné à Moshe, parle à la communauté. Comment c'est possible de dire que Moshe Rabbeinu a pris sur lui de repousser la mise en pratique de cet ordre-là ? Comment peut-on penser qu'il fasse autre chose d'abord ? Mais c'est Dieu qui vient de lui parler, c'est de Moshe Rabbeinu qu'on parle. Quelqu'un qui est l'incarnation même de la soumission à Dieu. Comment aurait-il pu faire, aurait-il pu décider de faire autre chose que ce que Dieu vient de lui ordonner, va filou chiyuvet, même si c'est quelque chose de tout à fait positif. Et comment il le ferait? Alda atatsmo, parce que lui pense que c'est comme ça qu'il faut le faire, alors qu'il ne s'agit pas de ça. Yesh efolomar lichora, shebe pasuk vayakom Moshe vayeler. Donc on doit dire que avec ce passouk, avec ce verset qu'on est en train de regarder, comme Moshe, Moshe s'est levé, Vayelech, il a été, il est parti. Eina Torah mitkavenet le saper, chez Moshe, ifsik veasak beinyan acher. La Torah ne veut en aucun cas nous raconter que Moshe a interrompu, a fait autre chose que ce que Dieu lui demandait. Il s'était interrompu dans l'accomplissement de l'ordre de Dieu avec autre chose. Et là, les pères. Mais on est obligé de dire que c'est le contraire. Ketsad mi'er Moshe, ou bitsamiyad et tsivu yasher, daber el aeda. Que Moshe, au contraire, s'est dépêché. Il a accompli immédiatement tsivu yashem. Il a automatiquement, tout de suite, accompli l'ordre de Dieu, parle à la communauté. Et donc, veyakom Moshe vayeler, ali chabilvad. Et donc, Moshe s'est levé, et il a été. C'est-à-dire, il n'a fait qu'aller, rien d'autre. Les lodibo. Sans parler, chez Bem Tsaouton, Itan, les Itaot, ou Miyad, la Harmiken, Kemcher, les Poula, chez le Vayeler, Vaidaber, El Aeda. Et donc, il ne fait pas interrompu. Avec ça, il aurait pu retarder, faire autre chose. Mais tout de suite, à la suite de Il a été,
nous avons immédiatement Vaïdaber El Haïda, il a parlé à la communauté. Alors si on le voit, c'est la seule chose que l'on puisse dire en première lecture du verset. C'est le travail de Rashi que de nous donner cette première lecture. Et effectivement, il nous la donne. Mais il faut comprendre comment. Donc, ça signifie que le Vayakom Vayeler n'a pas d'autre sens que de parler à la communauté. Mais pourquoi Rashi vient nous dire qu'il a été voir Datan et Avira? Imkar et Mouvankal, on ne comprend pas. Minayin ou Ketsad, l'Omar, l'Omed Rashi, les Fipshuto, Shemikra. D'où prend Rashi? Et comment peut-il dire, d'après le Pshat, encore une fois, d'après le sens premier, chez Moshe, lo alar miyad limsoret sivu yachem laeda, que Moshe n'a pas immédiatement été transmettre l'ordre de Dieu à la communauté. Et là, alar, el datan vaviram, mais que d'abord il a été voir Datan et Aviram, que deshe yisulo panim, virzro bitchouva, pour qu'il accueille bien, et qu'il fasse chouva. Alors que ça, ce n'est pas précisé par Dieu. Et ça voudrait dire, encore une fois, sinon on a l'autre question. Moshe a fait de même, il n'a pas obéi à Dieu, il a fait intervenir autre chose. Ce n'est pas l'attitude normale de Moshe. Benosaf Lekar, en plus de ça, donc on ne comprend pas ce que d'où Rashi prend tout ça et ce qu'il veut nous dire. En plus de ça, et nous venait les chonos chez Rashi. On ne comprend même pas la formulation employée par Rashi. Rashi nous dit Kasavur Sheyisulo Panim. Qu'il a pensé qu'ils vont bien l'accueillir. Mais il emploie une formule spécifique. Im kavanat rashihi, si l'intention de Rashi c'est chez Moshe alach le aziram, comme ça a l'air de l'être, que Moshe a été les mettre en garde, ou l'arziram bitchouva, et leur faire tchouva, l'idée à rotol haem panav, en leur montrant son visage. Madoua, ein rashi omer zot, Belachon Broa, pourquoi est-ce qu'il ne lit pas clairement Bédomé, les divra midrash, Kassavour, chez Yisulo Panim, Viachouvou, Marlekotam, comme le midrash d'ailleurs, d'où vient l'idée. Le dit clairement. Il pensait qu'il accueillerait bien et qu'il regretterait d'être entré dans cette dispute. Au Nissoir d'Omelekar, ou quelque chose de semblable. Varé à Mashmaout, chez Amidim, Kassavour, chez Yisulo Panim. Il n'est inat kavod les Moshe, alors que c'est différent ici. L'expression il a pensé chez Yisulo Panim qu'il l'accueillerait bien, c'est cette expression Nessia Panim. Ça signifie netinat kavod. Ça signifie qu'il lui manifesterait du respect, qu'il lui montrerait qu'il le respectait, donc à Moshe. Arim nirtse lomar shirashim itkaven, lishtamesh bibitui, amevi et ainyan shematarat alichato. Il a chpia l'EM, même si pourtant on veut dire que Rashi, ce qu'il veut dire, il utilise une expression qui indique que tout le but de son déplacement chez Datan et Aviram, c'est pour les influencer. Gamaz, Yachol, Aya Rashi, Letzaset et Lachona Midrash. Même là, Rashi aurait pu utiliser l'expression du Midrash. Oula, Yid Baishu, Yachzorubahem. Peut-être qu'ils auraient honte et qu'ils vont faire tchouva. Oh, Adomé, la Shona Rashbam. Ou alors quelque chose qui ressemble à ce que nous dit le Rashbam. Ou la Yarzeru Bitchouva. Peut-être qu'ils vont faire tchouva. Valier des Kachaitam ou Fenet Bibiru, Matarat Adicha. À ce moment-là, on aurait très bien compris ce que voulait Moshe. Moshe va, il se dit ils vont être impressionnés de me voir, de voir mon visage. Ils vont devoir me respecter. Ils vont tout à coup réfléchir à ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont faire tchouva. Mais. Ici, rien n'est dit. Il nous dit juste qu'il a pensé qu'ils allaient le manifester du respect, point, et ils ne le font pas. Mais on ne nous rajoute rien. Pas que son intention, c'est qu'ils comprennent et qu'ils fassent tchouva. Tout ça, on le voit d'ailleurs, on le comprend par ailleurs. Et c'est Parashi qui nous dit. L'Ichora. Ayanitan le Asbir et Divre Rashi le Fima Marag Mara. On pourrait toutefois comprendre ce que dit Rashi d'après ce que nous enseigne la Gemara. À propos du même pasouk toujours. Vayakom Moshe vayelech el Datan Aviram, que Moshe s'est levé et il a été chez Datan Aviram. Amar Rish Lakish, Rish Lakish, un de nos grands chachamim, nous dit Mikan, Shen, Marzikim, Machloket. De là, on apprend une leçon importante, qu'on ne soutient pas la dispute
qu'il ne faut pas la renforcer, qu'il faut s'en écarter toujours, faire tout ce qu'il faut pour la résoudre. Velachen mitbatekan Rashi bevitui kasavur shiisulopanim. Et c'est pour ça que Rashi ici utilise l'expression kasavur shiisulopanim. Il a pensé qu'ils allaient témoigner du respect. Velo ulai yidbaishu viarzeru baem. Et pas dans une autre formulation qu'ils auraient honte et qu'ils vont faire tshuva avec Adomé ou des choses comme ça. Parce qu'en réalité, ici l'accent n'est pas tellement mis sur le fait qu'ils vont faire tshuva de la faute qu'ils ont commise envers Dieu, comme il est écrit dans le pasuk, Ano Adim al Hashem, qui se révolte contre Dieu. Et là, Kavana Ikarit, il va tel marloket al Moshe, parce que tout le principe, qu'est-ce que c'est ici, toute la recherche, c'est d'enlever la dispute avec Moshe. L'écart, Matim Yoter, Anisouar, Kesavour, Shisulopanim. Et c'est pour ça que la formulation, il a pensé qu'ils allaient lui témoigner du respect, qu'on vient mieux. Benigud Litna, Gutam, Lifneken, Bofan, Shel Triat Moshe, ou Marloket, contrairement à toute leur attitude jusqu'à présent. Ou jusqu'à présent, au contraire, ils avaient repoussé Moshe. Ils avaient entretenu la dispute, comme il est écrit, Veishlach Moshe, Likrol et Datan ou Aviram. Et Moshe a envoyé appeler Datan et Aviram. Vayomrou l'onale, qu'est-ce qu'ils ont répondu? L'onale, on ne viendra pas. Jusqu'à présent, ils repoussaient. Donc, qu'est-ce qu'ils espéraient? C'était qu'ils allaient témoigner du respect. Donc, ils allaient accepter de le voir. Ce n'est pas une question de tchouva, on n'en parle pas, comme on a dit. Mais déjà qu'on arrête la dispute, et comme on le voit de la Gemara, comme a dit Resh Lakish, de là on apprend qu'on doit tout faire pour arrêter une dispute. Arashi Beatzmo, Sholel Pirouzem. Ça, c'était l'explication qu'on aurait pu donner. Mais on voit que Rashi lui-même ne dit pas ça. Alamilim Vaishlach Moshe, à propos des mots qu'on vient de citer, que Moshe a envoyés pour appeler Datana Aviram, ils ont refusé de venir. Mais Faresh Rashi, là-bas, Rashi explique, Mikan Shen Marzikim Bamachloket. C'est là-bas qu'il le dit. De là, on apprend qu'on ne va pas durer, soutenir la dispute. Sheya Moshe Mechazer Acharem Lashlimam Bedivre Shalom. Que là-bas, Rashi a dit, Moshe essayait de faire la paix avec eux. Mikar Shen Rashi Meshane Manemag Manemar Bigmara. De là, nous voyons quoi? Que Rashi a changé par rapport à ce qui est dit dans la Gemara. Shainyan Shain Marzikim Bemachloket Nilmad Me Psukenu Veyakom Moshe Vayeler. Dans la Gemara, qu'est-ce qu'on a dit? Que cette idée-là, qu'on ne doit pas soutenir une dispute, au contraire, il faut l'apaiser au maximum. D'où est-ce qu'on l'apprend? On l'apprend dans la Gemara de notre Pasuk à nous, dans Parashat Kor, que Vayakom Moshe, Moshe s'est levé, il a été. Ou Masbir Shainyan Ze. Alors que Rashi lui-même a dit qu'on ne l'a pas appris dans notre parasha, dans notre pasuk, Vayakom Moshe Vayeler, mais dans le pasuk précédent, Vayishlach Moshe, que Moshe a envoyé pour chercher Datan et Aviram. Ou Bemiuchad, les filles Adiouk Belashon Rashi, Mikan Shehen Marzikim Marloket. Et en fait, cette idée-là apparaît de manière encore plus nette quand on voit la formulation précise de Rashi. Il dit Mikan, c'est d'ici, Shen Marzikin Marloket, qu'on apprend qu'on ne doit pas soutenir une dispute. Velo Makomacher, quand il dit Mikan, d'ici, ça veut bien dire que c'est précisément d'ici et pas d'un autre endroit, donc pas de notre pasouk. Donc nous voyons que Rashi a changé par rapport à la Gemara. Mikar Mouvan, de là on comprend, chez les fiches Tato Shel Rashi Bepirusho Hator, que d'après l'opinion de Rashi, dans son explication sur la Torah, Areali Khatoshel Moshel Datan Vaviram, Lo Aita Mishum Ein Marzikin Bamachloket. On est obligé donc de dire que dans notre pasuk, ce n'est pas cela que Rashi veut dire. Alors, c'est la Gemara qui veut le dire, bien sûr, c'est parfaitement légitime. Rashi, selon lui, dans le pshat, dans l'explication première du verset, ce n'est pas ça qu'il retient. Ce qu'il retient, qu'est-ce que c'est? C'est que s'il va, Moshe, voir Datan et Aviram, ce n'est pas parce qu'on ne soutient pas une dispute.
Ça, on l'a déjà appris précédemment. Ou bemiuchad, et en particulier, im ne'emar, shegam alichat Moshe kan haita mishum ein marzikim b'machloket. Et en particulier, même si on allait dire que cette fois-ci aussi, dans notre passou, si Moshe était les voir, c'était pour la même raison. Malgré tout, il ne voulait pas s'incruster dans cette dispute, il voulait qu'elle disparaisse et était prêt à tout. Araya yoter matim loma, shora azut imad mepsukenu, veya kom Moshe vayeler. Au contraire, si on va dire que même ici, c'est aussi ce qu'on veut dire, donc on ne doit pas soutenir la dispute, alors il était beaucoup plus logique et beaucoup, ça correspondait bien davantage à l'expression de tirer cet enseignement de notre verset. C'est beaucoup plus clair. Et Moshe a s'élevé et il a été. Mishum shedavka begal pasuk ze yeshno chidush. Parce que vraiment, dans notre pasuk ici, il y a quelque chose de nouveau. Que quoi? Chez Moshe machal al kvodo. Que Moshe va très loin, si on l'interprète comme ça. Moshe a oublié son propre honneur, son propre kavod. Veo atzmo alach levatel machloket. Et lui-même n'a pas hésité à se déplacer pour enlever la dispute. Davar shaynu nimat kolkar mina pasuk akodem, ce qu'on ne voit pas dans le pasuk précédent. Shesham nesta peula shel mechazar achariem lashlimam rak bemtzaut yeshaliach. Alors que dans le verset précédent qu'on a cité, on voit Moshe envoyé appeler Datan et Aviram. Ils n'ont pas voulu. Mais là-bas, c'était pas Moshe qui s'est déplacé. Il a envoyé quelqu'un. Donc, l'insistance était évidemment beaucoup moins forte. Donc, dans notre passage, ça aurait été mieux, c'est encore plus éclatant. Donc, on est obligé de dire que si on n'a pas cité a priori, ce n'est pas ça l'idée de Rachid. Echari et Foloma, on est donc obligé de dire, chez les Fiapchat, que d'après le sens premier, Lo alach Moshe el datan vaviram misho main marzikim machloket. Moshe n'a pas été chez Datan et Aviram. Parce que Ein Marzikin Machloket, parce qu'on ne doit pas garder une dispute. Et là, Kamolel, mais c'est comme on a dit, Gde l'arziram bitchoua, c'est pour leur faire tchoua. Vimkar, dans ce cas-là, Shava ou Mitoret Akushiana. Dans ce cas, on retrouve notre question de début. Qu'est-ce qu'il pensait? Qu'est-ce que Moshe pensait? Il n'a pas écouté l'ordre de Dieu, il a fait intervenir autre chose. D'accord, de bonne intention, très positif, il voulait qu'il fasse tout voir. Mais Dieu lui avait simplement dit, va prévenir les gens de s'écarter des tentes. Alors on revient avec cette question-là. Mafteach le havanat pirush rachize, tamun be milim shemetzat et rachi minapasuk be diburamat. La clé pour la compréhension de cette explication de Rashi se trouve dans les mots que Rashi cite du pasuk en tant que titre, en Dibur HaMatri, les quelques mots qu'il rapporte, qu'il va commenter, justement, comme il le fait toujours. Kemusbar kama pe'amim. Pourquoi est-ce que c'est important de le souligner? Parce que, comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois, Shebe divrei Rashi, yesh diouk rav, lorak bemilot apirush atzmo, et la gamme bemilim ametsutatot min apasuk. Mais il y a également une très grande précision, comme on le voit dans de très nombreux cas, le Rabbi le souligne très régulièrement, dans les mots choisis pour intituler le commentaire qui suit. Ce sont ces mots-là qui sont commentés et nul autre. Et il y a un enseignement du dedans. Et Rashi ne les choisit pas par hasard. Il y a Boeignané, nous on va le voir tout de suite. Rashi met sa tête, Mina Pasu, Krek et Amilim, Vayakom Moshe, Vetulo. On voit que dans ce titre-là, pour ce qui nous concerne, Rashi se contente de rapporter Vayakom Moshe. Et Moshe se leva. Vetu lo. Et rien d'autre. Yoter Mika, plus encore. Rashi af einoromez le milim abaot aliede vegomer. Et même encore plus que ça, Rashi ne fait même pas allusion à la suite du verset. Et comme il le fait souvent, il aurait pu ne pas tout citer, mais mettre un Végomer, etc. Il va parler d'un peu plus, mais pour de diverses raisons, il n'a cité que les premiers mots, non. Il a cité juste ces deux mots-là, sans rien d'autre. Vayakom, Moshe s'est levé. Chor, atamoa, c'est très étonnant. Kavanat, Rashihi, les chor, les faresh et agorem, les alichat, Moshe, pardon, el datan va aviram.
L'intention de Rashi ici, qu'est-ce que c'est? C'est d'expliquer ce qui a causé le fait que Moshe aille voir Datan et Avira. Vimkar, Ayatzarich Letzatet et Amilim Vayelech El Datan Vaviram. Donc, dans ce cas-là, puisque c'est cela qu'il veut expliquer, ce qu'il aurait dû citer pour annoncer ce qu'il va commenter, c'est la suite plutôt. Vayelech El Datan Vaviram, il a été voir Datan et Aviram. Vilo Amilim Vayakom Moshe. Alors que les mots Vayakom Moshe, Moshe s'est levé, Enan Kshurot Lichor Ali Nyanze, ne sont pas liés. A priori, à ce sujet-là particulier. Rashi et sa tête d'Afka et Amilim Veyakom Moshe Bilvad. Et pourtant, on voit que Rashi ne cite justement que ces tout premiers mots, Veyakom Moshe, Moshe s'est levé, Vafaino Moshe Vegomer, et même ne rajoute pas, etc., pour nous dire qu'il va parler de la suite, qu'il a été chez Datan et Aviram. Et là, Bekar Mavir Rashi, Shakushi Vepasuk, Sheotohu Bal et Yashev, Naoutsrak Bemilim, Vayakom Moshe. Mais ici, Rashi veut nous faire comprendre quelque chose. Il veut nous faire comprendre que la difficulté qu'il y a dans ce pasuk, la question à laquelle il veut répondre, puisque Rashi répond toujours à une question implicite, plus ou moins visible, mais la question existe toujours. La question dans le pasuk à laquelle il vient répondre se trouve uniquement dans les mots Vayakom Moshe et Moshe s'est levé. Et c'est par ces mots-là. C'est ces mots-là, justement, qu'il va expliquer pour enlever la question. Bien sûr, il faut comprendre quoi. Mais cela signifie que le Rashi nous parle de quelque chose de particulier. Divrei ha-pasuk, vayelech Moshe el Datan va'aviram, les mots du pasuk. Et Moshe a été chez Datan et Aviram, mouvanim, on les comprend, comme on a dit, chez Bekar, mais ça paraît à Torah, ketzad, ki am Moshe miyad et tzivu yashem. Les Horot, la Eda, qu'on les comprend, la Torah est simplement en train de nous raconter comment Moshe a immédiatement accompli l'ordre de Dieu, sans attendre, sans mettre quelque chose d'autre au milieu. Qui était quoi cet ordre? Les Horot, la Eda, de dire à la communauté, les Israël, à tous les Juifs, chez Shaouaz Misaviv, les Mishkan d'Atan Aviram, qui se trouvaient à ce moment-là autour de la tente de Datan Aviram, et Elou, partez, écartez-vous. Maintenant, et donc, Vayeler, on comprend. Mais il faut comprendre pourquoi la Torah a commencé par les mots Vayakom Moshe. Moshe s'est levé. Mamosifa Mila Vayakom Lavanat Asipur Vayeler El Datan Vaviram. En quoi le fait que Moshe se soit levé, Vayakom Moshe, le mot Vayakom, il s'est levé. La Torah ne parle pas pour ne rien dire. Chacun de ces mots compte. Chacun de ces mots a un sens. Ce qui veut dire que si la Torah nous dit « Vayakom », qu'il s'est levé, ça nous rajoute quelque chose. Et il faut comprendre ce que ça nous rajoute dans cette histoire de « Vayelech el Datan v'Aviram ». Il est allé chez Datan et Aviram. « Mikar, Masik Rashi ». De là, Rashi conclut. « Shachachi loma » De là, Rashi conclut qu'on est obligé de dire qu'en plus du fait que Moshe soit allé chez Datan et Aviram, ici, il y a eu une autre action séparée qui a été accomplie par Vayakom Moshe, que Moshe s'est levé. Laquelle? Ce qu'on va voir tout de suite. Et quelle est cette action particulière de ce Vayakom qu'il s'est levé à comprendre comme quelque chose en soi qui ne dérange pas le reste, qui n'est pas une préparation au fait qu'il doit aller chez Datan Aviram mettre en garde tout le monde? C'est là-dessus que Rashi intervient. Et il vient dire Kasavoshi Sulopanim. Il a pensé qu'ils allaient lui témoigner du respect. Kva lifnekem, déjà auparavant. Pureshrashi à la pasuk veyakom stade Ephron, tkuma italo. Le mot veyakom, on l'a vu bien sûr dans la Torah. Il s'est levé. On l'a trouvé à propos de l'achat que fait Abraham de la grotte Maharat HaMakpela, où il va enterrer sa femme Sarah, qui vient de mourir. Donc il doit acheter la grotte qui se trouve dans le champ de Ephron.
Et donc, il se rend là-bas, toute l'histoire qui se passe, ils se mettent d'accord et Éphron accepte de lui vendre ce champ. Alors, nous dit le texte, « Vayakom sade Éphron » et le champ de Éphron s'est levé. C'est un champ, c'est bizarre. Qu'est-ce que ça signifie que le champ s'est levé? Et Rashi intervient et dit « Kumaï talo », il a eu une élévation. « Kelomar, amila vayakom matzbia gam alkima valia bachashivut » C'est-à-dire que le mot « vayakom » représente une élévation, mais qui n'est pas forcément matérielle. Et il est ridicule de penser que le champ a pris de la hauteur. Mais il a pris de la hauteur, oui, mais en importance. Et donc, c'est ce que Rashi là-bas nous a dit. « Kuma italo » ne croyez pas que le champ a été plus haut matériellement, mais il a, puisque maintenant il appartient à Abraham, « vayakom », il s'est élevé en importance. « Vechen benyanenu » c'est pareil ici. Osafat amilim vayakom Moshe, quand on rajoute ces mots-là dans la paracha, vayakom Moshe, Moshe s'est levé, bipsukenu dans notre passé, balashmenu, ça vient nous faire comprendre, chez Moshe lo alach el mishkan datan vaviram stamkar, que Moshe n'a pas été à la tente de Datan et Aviram comme cela simplement. Elayaze bofam shel vayakom Moshe, mais ça a été dans une façon de vayakom. Il s'est levé, ou plutôt, Tkuma Italo, comme Rachid a déjà dit, il s'est élevé, il a eu une élévation. Aitazu Alicha, Kalichato Shen Meler, Meromam Meam. Ça a été une élévation. Quand il y a été en tant que roi, comme un roi qui est au-dessus du peuple. Amoret Regesh El Chashivu Bekavod, qui éveille un sentiment d'importance et de gloire, d'honneur. Avec Avanato, Jean Moshe a été. Pourquoi est-ce que Moshe a fait ça? Kassavour chez Sulopanim. Il a pensé qu'ils allaient lui témoigner du respect. Que le fait même qu'il remarque que Moshe se rend chez eux. Tashpia al-Datan va-Viram. Ça même, ça va les influencer. Ils vont dire comment Moshe, en tant que roi, élevé, eh bien, il se rend jusque chez nous. Alors, ça va les inspirer. Chez Yisulopanim, qui vont l'accueillir avec respect. Bekar mouvan de pashtut gama neymar bemcher à pasuk. Comme ça, on comprend également la suite du pasuk. Vayel chouacharav zikne Israël. Et les anciens d'Israël l'ont suivi. Charé le chora, madouem alchouim Moshe. Parce qu'a priori, on a là aussi une question, toujours au sens premier du verset. Pourquoi est-ce que les anciens, c'est des personnages importants du peuple juif à l'époque, qui secondaient Moshe. Ben pourquoi ont-ils suivi Moshe? Moshe leur a rien demandé, rien ne leur a été ordonné. Alors bon, on aurait pu dire, ils ont pris cette initiative, on ne comprend pas pourquoi. Mais pourquoi le souligner? Ça n'apporte rien. Et là, Dava Madgish, Shaitazu Alicha, Bofan Shevayakom. Mais ici, on vient souligner que quand ils ont été avec Moshe, ça soulignait en fait tout l'honneur, toute la gloire qui l'entourait. C'est vraiment à la manière de Vayakom. Il s'est levé, élevé. Moshe alar ke melech, ur ke nasi Israël. Moshe s'est rendu chez Datan et Aviram comme un roi, comme le chef du peuple juif. Mishumkar, alchoar harav zikne Israël. Alors, automatiquement et spontanément, tout de suite, les anciens d'Israël, les gens importants l'ont suivi parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer tout seuls. Les fies berzés, metouretset gamakushia shuskeraleil. Maintenant, on peut comprendre. On peut répondre à la question qu'on s'était posée tout à l'heure. Ketsa ditakev moshe milekayem miyad et tsivu yashem vasak binyanacher. C'était ce qu'on se demandait depuis le début. Pourquoi est-ce que Moshe s'est attardé à faire quelque chose d'autre que ce que Dieu avait demandé de faire? Et pourquoi n'a-t-il pas accompli plutôt immédiatement l'ordre de Dieu? À Esberou, maintenant on peut répondre. Les Firashi lo haïta lichat Moshe de l'atrod bedatan v'aviram. Vadaraba, les Fipshuto, shen mikra yotse shen Moshe asuraya l'atrod bahem ou ishtadel l'arziram bitshuva. D'après Rashi, le fait que Moshe se rende chez Datan et Aviram n'était pas fait pour les mettre en garde. Et au contraire, d'après le pshat, d'après le sens premier, comme on a dit, Moshe
n'avait pas le droit, ce n'était pas son rôle, il n'avait pas allé les mettre en garde et il n'avait pas essayé de leur faire faire chouva. Pourquoi il n'avait pas le droit? Et parce que c'est le contraire de l'ordre que Dieu venait de lui donner. Dieu vient de lui dire, écartez-vous d'autour de la tente de Korar, Datan, Aviram. On ne parle pas, il fait de tchouva, la peine est prononcée, la punition va s'accomplir. Il faut retirer tous les juifs qui se trouvent là, d'autour d'eux. Donc on comprend bien que Moshe ne peut pas faire autrement, faire intervenir autre chose, même qu'il nous semble positif. Et la matata alira, alors, le but de ce déplacement de Moshe, qu'est-ce que c'était? Va yeler el datan va aviram. Aitak dele azir et aeda, shem yasurum alo ale anashim. Pourquoi il y allait? Mais c'est très simple, dans le pshat toujours. Il a été chez Datan à Aviram uniquement pour mettre en garde la communauté, pour leur dire, et poussez-vous, écartez-vous des tentes. Et là, shalecha itabo fan shel vayakom Moshe. Ah, mais il y avait un autre aspect. Quand il y a été, c'était dans une façon de vaya comme Moshe. Moshe s'est levé. Comme on dit, il a pris une élévation. Il se déplace en tant que roi, comme on vient de le dire. Deshiusulopanim, pour qu'il lui manifeste du respect. Bemarchava, Sheula, Yalecha, Kazo, Tigrom Lekar, Shiusulopanim. Il a pensé qu'en se déplaçant comme ça, avec toute sa gloire et sa grandeur, ça les influencerait, qu'ils ressentiraient quelque chose. Et qui lui témoignerait le respect nécessaire. Velachen, en kan stira le tzivuyel. Et donc, ce n'est pas une contradiction avec l'ordre de Dieu. Écartez-vous de leur tente. Ki Moshe, lo itkarev le datan va viran kdelash pialehem aliede dibo. Obo fanachar kdeshe arzo betchouva. Pourquoi? Parce que Moshe ne s'est pas approché de Datan à Aviram pour les influencer en leur parlant d'une autre façon pour qu'ils fassent tchouva. Et là, chez où qui va, lui a pensé autre chose. Il a pensé, il a espéré, il a voulu. Shalichato bofan shel vayakom, que le fait qu'il se déplace dans une façon de vayakom, qu'on dit, avec un nouveau statut assumé. Teorer et slam achna vidbatut. Ça va causer chez eux une certaine soumission, un certain effacement, un bitoul. Vehem isulo mitzadatzman padim. Et donc, quand ils ressentiraient ça, il ne leur disait rien, il ne leur disait pas fait tchouva, il n'essayait pas de les convaincre. Ce n'était pas ce que Dieu avait demandé. Mais le fait qu'ils se déplacent comme ça et qu'ils le voient comme ça, comme le roi qui vient à eux, alors ça évoquerait en eux un peu de soumission. Et à ce moment-là, ils l'accueilleraient avec respect, mais de même, sans qu'il leur ait rien dit. Malheureusement, on voit que ça n'a pas marché. Et on sait qu'à la fin, eux, leur maison, leur famille vont être engloutis dans la terre. Mais on comprend, on a répondu ici à notre question. On comprend pourquoi Rashi est venu. Il veut dire attention, quand on nous dit Veyakom Moshe, ce n'est pas une préparation à Vayeler au fait qu'il ait été chez Datan Aviram. Ça, il l'a fait immédiatement. Dieu lui avait ordonné, il faut que dire aux Juifs de s'écarter. Il se déplace, il le fait. Mais le Veyakom, c'est qu'il a pris une autre stature. Il se déplace maintenant en tant que roi. Pourquoi il se déplace en tant que roi? Parce qu'il espère que quand il va aller à la rencontre de Datan et Aviram, et qu'ils vont voir en lui le roi qu'il est, entouré des anciens, etc., alors ça va les impressionner. Ou plus encore, ils vont ressentir la qualité de Moshe, et donc cela va leur donner un peu de soumission, un peu de retour sur soi-même. Et de même, ils vont l'accueillir. C'est-à-dire qu'il ne leur parle pas. Il n'intervient pas, il accomplit l'ordre de Dieu. Mais en l'accomplissant, il a fait quelque chose d'autre. Hélas, ça ne s'est pas passé comme ça. Datan et Aviram n'ont pas regretté et n'ont manifesté aucun respect, c'est ce que dit Rashi. Et donc l'histoire a été jusqu'à son terme. Mais de là, nous apprenons quelque chose. Mikach nimedet ora nifla b'inyan avat Israël. De là, nous apprenons un enseignement extraordinaire en ce qui concerne Avat Israël, l'amour du prochain. Bli leitrachev bekvar, bekar, shekvar nigva gzaradin. Sans du tout prendre en considération le fait que le décret a déjà été pris. Viotermikar, akadosh vokhu kvar naal et achar lechazara bitchouva.
Plus encore, dans le cas de Korah, Datan et Aviram, Dieu a déjà fermé la porte de la Tchouva. Il a annoncé, voilà ce qui va se passer. La punition est déjà en route, si l'on peut dire. Elle est décidée. Kaviaron. Vitsiva, il a déjà ordonné. Hello, cherche la somme, il a déjà dit, écartez-vous, qu'il faut écarter d'eux, parce que ça y est, la peine est prononcée, elle va se réaliser. Bechol zot, malgré tout. Moshe Rabbeinu, Ekeva, Vato, Araba. Moshe Rabbeinu, du fait de son grand amour, les Chol Yehudi pour chacun, Bechol Matzav Shehu, dans n'importe quelle situation, Fisha Nouroim, Shem Moshe, Itiatsev, Emsot, Nefesh, Afilou, Leman, Oseagel, comme on voit, cet amour-là n'est plus à démontrer. On voit que Moshe a été capable de se dresser avec don de soi complet pour plaider pour ceux, pour qui ? Pour ceux qui venaient de fabriquer le veau d'or et que Dieu voulait effacer de la surface de la terre. C'est Moshe qui empêche que cela arrive. Et il n'a pas hésité une seule seconde. Donc, il n'hésite jamais. Il s'agit de sauver quelqu'un d'autre. Il s'agit d'amour de l'autre. Moshe est au-dessus. « Arigam bematsav kaze tripes derer ketsad lashpial datan vaviram » Même dans cette situation-là, qui c'est celle de notre paracha, où tout est fait, là, on l'a dit, les portes du ciel sont fermées. Datan, Aviram et Korah ont déjà été condamnés, même dans cette situation-là. Moshe, le sachant, cherche malgré tout une voie. Ketsad lashpial datan vaviram. Comment avoir influencé Datan et Aviram, ou la Tzilam Meredat Chaim Sheola, et de les sauver de ce qui allait leur arriver, c'est-à-dire être engloutis vivants. Alachat Kama Vekama. Alors, cette leçon-là, ce grand amour du prochain, qui ne regarde pas le contexte, qui ne regarde pas les circonstances, même pas à qui on a affaire, Alachat Kama Vekama, encore à plus forte raison. Kacher El Medoubar Alayoudi, Macher Mordim, Bachem, Khalusham. Que quand on regarde un autre, regarde des Juifs qui ne sont pas en train de se révolter contre Dieu, pas comme Datan et Aviram. Et là, mais des Juifs qui sont simplement des ignorants en matière de judaïsme. Ils ont le statut, comme on a eu l'occasion de rencontrer l'expression plusieurs fois, comme ce cas qui est rapporté par Rambam, de l'enfant qui a été enlevé dans sa petite enfance par des goyim et qui a été élevé donc parmi eux, qui ne sait rien du judaïsme. On nous précise qu'un tel homme, même s'il est juif bien sûr, etc., etc., mais toutes les avérotes, toutes les fautes qu'il commet alors qu'il a été enlevé, tout cela n'est pas compté comme faute. Pourquoi ? Parce qu'il ne sait rien, c'est ce qu'on appelle un enfant enlevé. Et donc, cela ne lui est pas compté comme faute. Et même si un jour, on vient lui dire, tu sais, tu es juif, tu as été enlevé quand tu étais très, très jeune, tout bébé, mais sache que tu es juif, il faut respecter telle et telle chose, et qu'il en prend conscience, mais qu'il ne fait pas de choix. Il a été élevé comme ça, il reste comme ça. Et bien, même alors, les fautes qu'il va faire après cette prise de conscience ne lui sont pas comptées. Et bien, c'est la même chose. On a affaire donc dans le monde, dans la rue, à des gens qui ne sont pas en situation de révolte, pas comme Datan et Aviram, ils ne savent pas. Alors, quand on rencontre de tels gens, Arem ou Tele Troval Kolechad la Sot que Chol Yoroto, l'Ishadel Bechol Kocho, alors la responsabilité incombe à chacun de faire tout ce qui est en son pouvoir, de faire tous les efforts qu'il peut. Ou les natsel kol minem tsaim vetarboulot, et d'utiliser tous les moyens possibles, des limtso derer, ou la atsil yodimelo, pour trouver un chemin, pour trouver une voie et sauver ces gens-là, ces juifs-là, ou les korvam shuv la vinou shebashamaim, et les rapprocher de notre Père dans le ciel. Valier d'écart, shemeorim otam, et par le fait qu'on les réveille, ou mashpim aleem et vatem nadvikim bashem elokechem, et qu'on les influence, que vous êtes unis avec votre Dieu, Gormim. Alors dans ce cas-là, on rétablit profondément notre unité globale et collective, parce qu'à ce moment-là, Chaim Kulchem Ayom, vous êtes tous vivants aujourd'hui, ça veut dire tous ensemble. Et c'est pour ça qu'il faut laisser une place à chacun, Chaim Emitim Venitrim, et ce que l'on a alors, c'est une vie véritable et éternel.
Voilà, Shabbat Shalom à tous et que nous n'ayons que des bonnes nouvelles.